Et bonjour tout le monde, c'est Agüero, fut HD. Et aujourd'hui, on se retrouve et bah du coup pour ma toute première vidéo sur cette nouvelle chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'avais déjà d'autres comptes YouTube, mais je vais vous dire mon compte gaming qui était Lolo cette fut, voilà, qui est toujours, hein, que je fais toujours des vidéos sur cette chaîne. Mais en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de créer une chaîne 100% FIFA. Alors je pense que pendant les matchs que je vais faire là, pendant la démo de FIFA 15, parce que oui, je vais tester du coup la démo de FIFA 15 avec vous. Donc du coup voilà. Je voulais aussi vous, bah, je vais vous dire plein de choses. Voilà, pour pendant la vidéo, je vais vous dire un petit peu les concepts, voilà, que je vais créer, on va dire. Même si c'est une chaîne 100% FIFA, vous savez qu'il y aura que du FIFA, voilà, sur cette chaîne. Il y aura plein de concepts, voilà. Bah, ensuite, je vais vous faire, alors je pense que je vous ferai un petit peu de tout, du mode carrière, Ultimate Team. De toute façon, je vais tout vous raconter pendant la vidéo. Alors, en fait, j'avais déjà capturé avant cette vidéo, en fait, j'avais lancé le jeu, mais ne vous inquiétez pas, en fait, j'avais pas fait de match, j'avais lancé le jeu, et en fait, j'étais en train de parler, et j'avais vu, en fait, que mon Avermedia, il avait planté, du coup, voilà, j'ai juste vu le début, un petit peu, j'ai juste vu le générique, on va dire, entre parenthèses, voilà, mais c'est tout, j'ai pas fait de match et tout, donc voilà, on va lancer la démo, du coup, qui est ici. Hop là, c'est parti. Donc voilà. En fait, là, j'ai vu Messi. Après, j'ai vu vite fait des petites cinématiques et tout. Et après, voilà. Après, voilà, j'ai. De toute façon, vous allez voir, je vais vous dire à peu près là où je m'en étais arrêté, où je me suis rendu compte que l'Avermedia, voilà, avait tout simplement planté. Alors, en fait, j'aimerais bien être le premier. Alors, je pense pas que ça soit possible parce que la vidéo, je la tourne un petit peu tard maintenant, on va dire. Je la tourne à quelle heure elle... Alors je vais vous dire précisément, il est 16h57, je voulais la tourner à 15h, mais j'ai eu plein de petits soucis qui a fait que j'ai pas pu la commencer plus tôt que maintenant, voilà, tout simplement. Ouais, bah voilà, je m'en étais arrêté là, j'avais appuyé sur A, et c'est tout en fait, voilà. Donc, bah voilà, tout simplement. Bah on va lancer d'ailleurs, hein, tout simplement, voilà. C'est quoi ça? C'est un générique? Ah non! Ok, d'accord, il lance direct un match. Ok, d'accord. Alors, Liverpool vs Manchester City. Alors, je suppose que je suis Liverpool, hein, du coup, voilà. Oh, le public. Oh, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir, le public. Alors, ah oui, il y a les commentateurs anglais. Bah, comme l'année dernière, c'est Martin Tyler, ouais, et Alan Smith, comme vous l'avez vu à l'écran. Alors, ouais, j'aimerais bien être le premier YouTuber français à lancer en fait à mettre en ligne en fait la vidéo découverte, on va dire, de la démo. J'aimerais bien être le premier youtubeur français, même si je pense, voilà, j'ai tourné un petit peu tard et tout la vidéo, voilà, vous m'avez compris. Mais bon, donc en fait c'est pour ça que sur cette vidéo je vais pas faire de montage, parce que en fait sur cette chaîne, alors je vous ferai des montages, je ferai plein de choses, hein. Il y aura des montages, voilà. Alors, je pense que je ferai une intro aussi, voilà, mais là, je ne l'ai pas encore faite, bah, pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, voilà, je veux vraiment la mettre, je veux vraiment mettre cette vidéo le plus tôt possible, voilà, tout simplement. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, tiens, d'ailleurs, en même temps que je regarde la télé, voilà, tout simplement, ça fait un petit peu PES quand vous avez vu les... Regardez, ça fait un petit peu PES, hein, quand on voit les équipes et tout. Enfin, voilà, même si ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à PES, le dernier PES que j'ai touché, c'est PES 10, donc c'est pour vous dire que ça remonte à perpète les bains, voilà. Mais voilà, pour vous dire que ouais, quand même, ça ressemble un petit peu à du PES, hein, enfin, je veux dire, juste gestion d'équipe, là, comme ça. Ok, bah en tout cas, c'est super bien fait, ouais, David Silva et tout, là. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est bien fait. Je regarde la pelouse en même temps, putain, qu'est-ce que c'est beau. Putain, ce FIFA 15, ça va nous envoyer du pâté, hein. C'est moi qui vous le dis. Alors, concernant, en fait, la chaîne, alors, déjà, ouais, je contrôle bien Liverpool. Alors, juste, je vais appuyer sur pause, juste pour voir. Ok, d'accord, bon, là, il n'y a rien qu'à changer, hein. De toute façon, j'avais vu, hein, voilà. J'ai vu qu'il n'y a rien à changer. Par contre, quand j'appuie là, regardez un petit peu la gestion d'équipe.
Regardez comment c'est bien fait. Moi, je trouve que c'est bien fait. Franchement, je trouve qu'ils ont bien. Ouais, ils ont bien trouvé. Mon avis, ouais, franchement, ça le fait super bien, quoi. Hop là, je pense qu'on fera un petit remplacement pendant la deuxième mi-temps, je pense. Voilà, non, mais c'est super. Regardez le rendu un petit peu. Voilà, c'est. Waouh! Ouais, super, super joli. Voilà. Bon, je vais pas faire de changement, hein. Je vais pas changer de dispositif. Ah, mais de toute façon, on peut pas. On peut pas changer de dispositif, hein. Je sais pas si on peut changer. Parce que vu que c'est une démo. Ah si, on peut changer. On peut changer, ok, d'accord. Ouais, non, mais parce que vu que c'est une démo et tout, je me suis dit, ah, si ça se trouve, on peut pas changer de dispositif. Mais si, on peut changer. Mais de toute façon, je vais rien changer, hein, parce que voilà, c'est la démo et tout. On découvre un petit peu ensemble. Donc voilà, hop là, je lance le match maintenant. Alors par contre, ça va faire bizarre un petit peu, parce que moi, en fait, je suis un joueur plutôt Sony. Enfin, voilà, tout ce qui est PlayStation, tout ça. Moi, sur FIFA 14, l'année dernière, hop là, hop là, non. Raté. Bim! Ah non, je vais essayer. Ok, la retournée complètement ratée. C'est déjà une première. On peut faire une première à tout, hein, voilà. Donc, alors, parce que moi, je suis un joueur PlayStation à la base. FIFA 14, je l'ai eu sur PS3, voilà, tout simplement. Mais maintenant, comme vous le voyez, avec toutes les légendes, comment c'est super bien fait et tout. En plus, je me suis acheté la Xbox One il y a 2 mois de ça. Donc, voilà, j'aurai FIFA 15 sur la One. Donc voilà, ça va me faire bizarre au niveau de la manette, parce que déjà que la manette elle est assez volumineuse, hein, comme je le dirais. Voilà. Bim! Oh, bel arrêt de Hart. Ah franchement, il a bien joué de son coup. Ah mais franchement, c'est super bien fait, quoi. Oh là là, super joli. Waouh, le ralenti est super bien fait. Tout. Ok. Donc voyons voir comment ça se passe les corners, parce que j'ai vu que, ouais, bah, voilà, ça change un petit peu, là, comme vous l'avez vu. Voilà. Ah, je peux utiliser un coup de pied. Ouais, ok, c'est sympa, sympa. Hop là. Wow, il l'a boxé contre son camp, ou je rêve? Non, c'est peut-être moi qui ai mis une tête alors. Attendez. Ah oh, bah, il faut montrer le ralenti précédent. Ah non, je crois que c'est lui qui l'a boxé contre son camp. Ah, je sais pas, c'est bizarre. C'était assez chelou cette action-là. Hop là. Je vais essayer de d'en mettre une, hein, si c'est possible. Bim! Et but! Voilà. Donc, normalement, il y aurait des montages aussi. Je ferai des montages, disons, quand je mets un but et tout, je mettrai une petite musique. Il y aura peut-être aussi des, comment ça s'appelle, des petites animations et tout, je vous ferai. Pour ceux qui me connaissent en tant que Lolo 7 Fut, voilà, je pense que ouais, c'est à peu près pareil sur Lolo 7 Fut. Je fais aussi des animations, tout ça. Pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne Lolo 7 Fut, bah, qui connaissent sûrement mes vidéos, parce que j'ai fait quand même pas mal de vidéos pack opening FUT 14 et tout. Voilà, hop là, attention, il est passé. Ouh, il va la mettre, ouais. Il va la mettre, ok. Ok, bon, j'ai mal géré mon coup là. Mais bon, là on est ah bah, Sergio Aguero qui a mis le but, tiens. Là, on est en mode tranquillou, hein, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est la démo et tout. Alors, si vous voyez qu'il y a écrit partie 1 au niveau de la démo, c'est normal. C'est normal parce que. Oh putain, merde. C'est normal. Oh non, je croyais que j'allais la reprendre en fait. C'est normal parce qu'en fait, je suppose que je vais faire plusieurs parties. Alors, en fait, cette démo, c'est juste pour vous faire montrer certains matchs et tout. Enfin, voilà, je vais vous faire montrer des matchs en mode coup d'envoi, voilà, en mode basique, on va dire. Et je vais faire plusieurs parties. Alors, sur Ultimate Team, je ferai une partie de la démo sur Ultimate Team. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que c'est une chaîne 100% FIFA. Et vu que là, il y a la démo et que le jeu sort le 25 septembre, aujourd'hui, on est le 9 septembre, je la mettrai en ligne aujourd'hui, du coup. Voilà, parce que j'ai envie d'être l'un des premiers YouTubeurs à mettre en ligne une vidéo bah, de la démo, voilà, de FIFA 14. L'un des premiers. Alors, est-ce que ça marche chez les BY? Ah ouais, ça passe crème, les BY. Hop là, contrôle. Et boum! Oh! Oh, je suis un croqueur! Comment j'ai loupé ça? Oh putain! Oh la vache! Comment j'ai fait pour. Putain, elle est passée à quelques centimètres. Enfin voilà. Ouais, désolé pour ce moment-là. Oh putain, j'arrive pas à y croire. Donc, qu'est-ce que je vous avais dit? Ah ouais, à propos de la démo, voilà. Est-ce que je vais mettre en ligne aujourd'hui la vidéo de la démo, je suppose. Donc le 9 septembre, et la date de la sortie de FIFA 15, c'est le 25 septembre. Donc faites le calcul, ça fait au moins je crois 17 jours. Alors ouais, je suis pas, peut-être que je suis précis ou je sais pas,
Mais ça fait normalement à peu près 17 jours de... Ça ferait 17 jours d'inactivité si je fais pas de partie 2 ou de trucs comme ça. Et vu que j'ai pas envie de faire de vidéo FIFA 14, parce que voilà, c'est la fin, maintenant voilà, c'est la démo et tout. Oula. Et si je la mets pas par contre celle-là. BIM! Oh, Art! Oh, mais. Oh là 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 là, mais quel goal! Quel goal ce Art! Non, mais parce que je pense que les goals aussi sont plus forts, quoi. Maintenant, ouais, c'est clair, quoi. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais voir, ouais, l'animation comme ça, là. Ah ouais, ok. Ah, du coup, on peut voir les joueurs comme ça, tranquille, en mode. Ok, bon bah, soit, hein. BIM! Oh là là, si je l'avais mis celle-là, là, en retournée et tout, bien comme il faut. Dommage, dommage. Donc voilà, hein, je vous ai dit ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Eh bah, ben, le concept de la chaîne, un petit peu, voilà, c'est du 100% FIFA, bien évidemment. Alors, non. C'est du 100% FIFA. On va essayer de tirer de là. Je fous, moi. Oh, presse, presse, presse. Faire du 100% FIFA, bien évidemment. Non, mais en fait, je suis tellement perturbé par les animations et tout, parce que c'est tellement joli et tout, que j'en perds mes mots, quoi. Enfin, franchement, waouh, c'est super joli. J'y reviendrai peut-être après, parce que j'ai envie de dire un petit peu ce que je vais faire. Voilà, alors je pense que je ferai alors de l'ultimate. Il y aura surtout en particulier de l'ultimate team. Hein. Voilà, ça, c'est ça, on va pas se le cacher. Ça, c'est. Voilà, quoi. Parce que l'ultimate team, c'est le mode préféré. C'est le mode préféré d'ailleurs de beaucoup de monde. Donc voilà, tout simplement, moi j'ai vraiment envie de faire sur l'Ultimate Team. Je m'investirai plutôt pas mal. J'achèterai plein de points FIFA, voilà, pour qu'on se fasse, pour que je fasse des vidéos de pack opening, pour qu'on se fasse bien plaisir, voilà. Hop là. Je suis pas trop concentré là, par contre, hein, en même temps que je vous raconte ça. Hop là. Ah, c'est bon, c'est la mi-temps. Ok, d'accord. Donc voilà. Ensuite, il y aura quelques petits concepts comme les défis. Par exemple, je vous fais un pack opening avec un autre youtubeur. Et puis après, disons, on ouvre, disons, 10 packs. Allez, je dis à l'arrache, 10 packs. On ouvre 10 packs chacun. Quand les 10 packs, c'est terminé, on se fait une équipe autour de ça. Et après, on se fait un match. Voilà, bah, de toute façon, j'avais déjà fait ça sur FIFA 14. Hein, de toute façon, je pense que je mettrai la chaîne Lolo 7 Fut dans le lien de la description. Vous verrez bien de toute façon ce que j'avais fait pour ceux qui me connaissent bien, qui me connaissent pas, excusez-moi bien sûr. Oh attendez, juste. Oh, c'est super bien fait! Parce qu'en fait, là ils font du style, comment ça s'appelle? Ah ouais, d'accord! Oh, c'est super bien fait parce qu'en fait il y a de la musique. Waouh! Oh le ralenti, comment c'est super bien fait! Parce qu'en fait ils font montrer des ralentis. Et en fait, ils mettent de la musique avec. Oh putain, c'est super bien. Oh là là, c'est. Waouh, c'est génial. Waouh, c'est tout simplement génial. On va faire un petit changement comme ça. Pour voir un petit peu comment ça va se passer les changements. Je vais mettre Sako à la place de Skrtel. Parce que de toute façon, voilà, ce joueur, il est inconnu dans le monde entier. Voilà. Non, mais surtout parce qu'en fait, j'ai envie de mettre Sako, voilà, tout simplement. Ok, les remplacements, en fait, ça se passe comme ça, quoi. Il n'y a même plus. Même plus le mec là qui vient dire le changement des joueurs. Après voilà, hop là, l'autre c'est directement il vient. Ok, d'accord. Donc voilà, il y aura aussi bah ensuite il y aura du mode carrière, du mode saison et tout, mais principalement de l'Ultimate Team. Oh putain, parce qu'il allait me le mettre comme ça. Principalement de l'Ultimate Team. Donc voilà, vous verrez bien, mais il y aura peut-être alors peut-être certains concepts. Je ferai peut-être des défis, par exemple, autour de quelque chose, autour d'Ultimate Team, ou autour d'un mode saison, un mode compétition, tout ce que vous voulez. Je pourrais faire peut-être quelques petits défis. Voilà. Voilà. Ah, attendez. Parce qu'il y a un truc. Non. Ok, non. Parce que je regardais un truc juste sur MacBook. Alors. Hop là. Voilà. Alors, parce que. D'ailleurs, ça je l'ai pas dit. Alors, pour ceux qui me connaissent très bien, qui me connaissent en tant que Lolo 7 Fut, alors parce qu'en fait, il faut savoir que moi d'habitude, j'ai raté, faut savoir que d'habitude, bah, en tout cas en tant que Lolo 7 Fut, j'utilisais en fait un Windows, un ordinateur portable Windows. Hop là, et en fait, non seulement le micro il grésillait à mort, donc c'était pas. Tout à fait agréable à entendre. Et en plus, l'ordinateur. Oh, j'ai failli faire le petit pont.
Et en plus, l'ordinateur, pour ceux qui, voilà, qui me suivent vraiment sur le set fuite, vous avez vu qu'on l'entend plutôt bien parce qu'on l'entend en train de chauffer et tout. Parce que voilà, j'utilisais un logiciel de montage, voilà, en même temps que je parlais, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était un peu chiant, non seulement à entendre l'ordinateur qui brûlait et tout, et puis le son de ma voix grésillait. Donc je pense que c'était pas tout à fait agréable à entendre. Enfin, à mon avis, je pense que c'était pas vraiment agréable à entendre ma voix comme ça. Enfin, voilà, en mode grésillé. Bim! Oh là 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 là, quel arrêt, putain, il est bon quand même ce art là. Ouais, parce que les gardiens ont été largement mieux améliorés, quoi. Franchement, ils ont été améliorés, mais d'une surpuissance hors du commun, quoi. Maintenant, vous faites un tir de l'extérieur. C'est pas obligé que ça rentre, hein, parce que dans FIFA 15. Dans FIFA 14, excusez-moi, vous faites un extérieur du pied vers la surface de réparation. C'est bon, ça rentre automatiquement. Dans ce FIFA, non, ce sera pas comme ça. Ce sera pas automatiquement. Ah merde, dommage. Dommage, dommage. Alors, je vais peut-être un petit peu plus me concentrer pour la fin, voilà. Parce que bon, il y a un partout. Et j'ai pas montré toute ma puissance, voilà. Même si avec la manette Xbox One, ça fait un peu bizarre quand même. Enfin, voilà. Moi je trouve que ça fait parce que là, au niveau du toucher, voilà, de la manette et tout, ça fait pas pareil que sur la PS3, voilà. Donc en plus les RB et LB, c'est il faut vraiment presser le bouton, quoi, pour appuyer sur le bouton pour que les joueurs lancent une action, voilà. Parce qu'en fait, j'avais déjà testé la démo de FIFA 14, si vous voulez tout savoir. Mais bon, je l'ai pas testé non plus à mort. Donc voilà. OK, bah, en tout cas, franchement, c'est super bien fait. Je pense que voilà, je vous ai à peu près dit quand même la base de ce que je veux faire à peu près bah, comme concept et tout ça. Enfin voilà, ce que je ferai sur la chaîne et tout. Voilà. De toute façon, vous savez que c'est du 100% FIFA. Donc pour ceux qui adorent le FIFA, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein, voilà. Tout simplement. Hop là. Voilà, j'essaierai d'être très actif. Et bim! Et but. Voilà, ça c'est joli. J'essaierai d'être très actif. Hein, voilà, hop là. J'essaierai d'être très actif sur la chaîne. Bah, en fait, toutes les vidéos que j'apprécierai et tout, de toute façon, ce sera des vidéos FIFA en fait sur cette chaîne. Voilà, enfin, pas très intéressant à dire, mais voilà, comme ça, je dis ça comme ça quand même. Et voilà. En tout cas, bah, j'espère que bah, vous appréciez un petit peu. Voilà, c'est une chaîne 100% FIFA. Bon, il y en a déjà quand même pas mal hein, sur YouTube, des vidéos 100% FIFA et tout, des YouTubeurs 100% FIFA aussi, plutôt. Même, je suis en train de m'embêler, hein, c'est super. Mais voilà, tout simplement, bah, j'espère que vous apprécierez que moi aussi je fasse du 100% FIFA. Voilà, même si vous ne me connaissez pas encore, enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr, hein, pour ceux qui ne m'ont jamais vu, voilà. Mais je ferai plein de bons trucs, puis voilà quoi. Moi, je suis vraiment surtout un connaisseur bah, sur fut. Attendez, je vais essayer de dribbler le goal. Non, 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 on va pas le dribbler, on va pas le dribbler. Je sais pas, je voulais faire le fou, mais bim! Ah non, raté. Je voulais faire le fou, mais bon. Alors je vais faire, je vais, on va tenter de faire des petits dribbles un petit peu comme ça, pour voir si j'ai pas perdu la main comparé à comment s'appelle à la PS3, parce que ouais, c'est vrai qu'avec la manette et tout, je vous ai dit, j'ai pas trop le contrôle et tout. Enfin voilà, il va falloir du temps pour que je m'y habitue un petit peu à la manette et tout. Donc voilà, mais sinon, ouais, franchement, c'est super. La démo, elle est exclusive que sur Xbox One, hein. Je crois que sur les autres consoles, ça arrivera. Je pense pas que ça arrivera le 9 septembre, mais je pense un petit peu plus tard que le 9 septembre, je crois à la semaine prochaine ou un truc comme ça. Enfin voilà, même si je suis pas tout à fait sûr. Mais il me semble que ça arrivera que sur la Xbox One ça arrive le 9 septembre et puis sur les autres consoles ça arrive un peu plus tard. Alors on va voir si LBY ça marche ou pas. Ouais, ça marche à peu près. Bon là c'était peut-être pas la meilleure position on va dire. Boum! Et but. Je voulais pas la faire à la but PES hein, parce que moi je suis pas comme ça. Même si c'est que l'ordi mais je suis pas comme ça. Donc voilà, j'ai décoché une. Bah, c'est une frappe normale, hein, voilà. Y a pas grand-chose à dire non plus sur cette frappe, mais voilà, tout simplement. Alors, vu que c'est la démo, par contre, je pense que le temps additionnel sera pas long. Même pas long du tout. Hop là, on va décocher une enroulée. Bon, j'ai mal fait quand même, mais voilà. Hop là, boum!
Et bu... Ah non, même pas! Je croyais qu'elle était rentrée! Ah non, même pas! Ok, d'accord. Et ben voilà, on se termine sur un score de 3-1. De toute façon, je vais vous faire d'autres matchs, hein, ne vous inquiétez pas, on va pas s'arrêter là. Hein, voilà. Que dire? Attendez, regardez-moi cette belle pelouse. Oh là là, le public super bien fait, quoi. Parce que comparé à celui de la PS3, à la PS3, excusez-moi, la PS3, mais oh là là, mais le public, c'est des pixels, quoi. C'est des pixels. Alors, encore sur le FIFA 14 de la Xbox One et même de la PS4, le public est quand même plutôt bien fait. Là, là le public est un chouïa mieux bien fait quand même, parce que bon, on va pas se mentir, sur la Xbox One, sur le FIFA 14 de la Xbox One, le public est super bien fait aussi. Donc voilà. Sur la PS3, wow, c'est catastrophique, quoi. Oh putain, ouais, c'est la catastrophe, quoi. Et hop là, j'ai eu mon premier trophée, même si c'était un match amical, hein. Hop là, voilà, petit premier trophée. On va passer, hein. Hop là, fin du match. Ah, avec Messi, ok, d'accord. Vous devez être connecté à les... Ok. Ouais, Ultimate Team, ok, c'est là. Alors, je sais pas si en fait, la vidéo, je vais la faire, la vidéo sur Ultimate Team, je vais la faire juste après faire la vidéo des matchs coup d'envoi, voilà, tout simplement. En tout cas, là, on va se faire du coup d'envoi, que du coup d'envoi. Et puis après, je verrai si je ferai une vidéo de mon côté juste après cette première vidéo, voilà, sur cette chaîne. Donc, présentation dynamique des matchs. Avec chacun, bon, ok, ouais, d'accord. S'il plaît, c'est contrôle. Oui, d'accord, bon, ça, on connaît. Je pense, pour ceux qui suivent vraiment FUT, FIFA même, plutôt. Bah, voilà. Gardien nouvelle génération, découvrez plus de 50 nouvelles animations sur les arrêts. Ça, on connaît, hein, c'est vraiment la grosse nouveauté, on va dire. Bah, sur ce FIFA, voilà. Même si le contrôle de balle, c'est aussi une des grosses nouveautés. Mais voilà. Les animations sur les arrêts, c'est aussi énorme. Donc, découvrez plus de 50 nouvelles animations sur les arrêts. Une IA. Alors, une IA, c'est quoi? C'est quoi IA pour ceux qui ne savent pas? C'est pas EA Sports, hein, attention, faut pas confondre. IA, c'est l'ordi, hein, en gros, voilà, c'est l'ordi. Donc, une IA, l'ordi, et des réactions améliorées. Donc, j'avais vu sur internet que apparemment, l'ordi serait plus difficile à battre. Encore plus difficile que sur FIFA 14. Donc je pense que ça va promettre quand même. Donc voilà, une IA et des réactions améliorées. Une modélisation plus réaliste des joueurs et de nouvelles façons de marquer. Voilà, tout simplement. Barclay Premier League. Alors bon, là je vais pas lire parce qu'en fait c'est tout simplement les 20 stades. Énorme, hein, ça. Les 20 stades qui ont été mis à l'épreuve, on va dire, sur ce FIFA 15. Voilà, donc il y a les 20... les 20 stades de ce championnat de Barclay, qui est le meilleur championnat du monde, en tout cas pour moi. De toute façon, là, je pense que vous êtes d'accord avec moi, hein. Il y aura pas trop de soucis pour ça. Alors, Chelsea, Liverpool, Manchester United. Ouais, ok. Alors, ouais. Ok, d'accord. Alors, faut savoir que sur FIFA 4, sur la démo de FIFA 14, il y avait ni Chelsea, ni Naples. Il y avait pas Chelsea ni Naples, mais il y avait qui? Je me souviens plus. Je pense qu'il y avait le Real. Non, je suis pas sur Real. Enfin, ouais, voilà. Je pense qu'il y avait peut-être le Real, ouais, je sais pas vraiment. Je suis vraiment pas sûr. Et puis une autre équipe, mais voilà, hein, je me souviens plus très bien. Ou peut-être Milan AC, enfin voilà, je me souviens plus énormément non plus. Donc voilà, alors moi je vais prendre quelle équipe? La question que je me pose, parce que j'hésite entre deux. On va prendre Chelsea. Chelsea, parce que pour moi, c'est l'équipe de cette année. C'est l'équipe qui va péter le feu en Barclay. Parce qu'avec les recrues qu'ils ont achetées, et surtout la fraîcheur des joueurs, franchement, ouais, voilà, ça va péter le feu de Chelsea. Voilà. On va peut-être changer de ligue, on va dire, entre parenthèses. On va pas prendre une équipe de Barclay. On va prendre une autre équipe. On va prendre le... Non, pas le Borussia. Allez, le PSG, pour ceux qui supportent le PSG. Allez, on va les affronter, voilà. Place Zlatan Ibrahimovic qui est super bien fait. Alors, ouais, ok, on va le faire comme ça. Ouais, d'accord. Alors, gestion d'équipe. Alors,
Est-ce que je... Ouais, allez, on va faire des petits dispositifs pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ok. Ok, ouais. Ok, bah c'est sympa. Allez, on va rester sur du 4-4-2, mais il y en a plusieurs de 4-4-2. Waouh, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Waouh, il y en a plusieurs. Ah non, 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 mais c'est des... Ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. Ah non, mais il y en a vraiment plusieurs. Ah ouais, ok. Ok, là c'est un 4-4-2 défensif, ouais. Là je vois c'est un 4-4-2 un peu... Bah ouais, c'est un 4-4-2 basique. Là c'est losange tranquille là, je sais pas comment on s'appelle déjà, losange normal. Là c'est losange étiré. On va faire avec ce dispositif. Hop là. Alors, juste, je vais peut-être changer les joueurs aussi. Alors, ah et Courtois ils l'ont mis à 84 là pour l'instant. Pour l'instant parce que là c'est la démo. Mais dans FIFA 15, il sera à 86. Moi, je vais garder 7, je crois qu'il en soit, parce que je préfère mieux garder 7. Il est trop fort. Franchement, pour moi, 7, c'est le meilleur des goals. Même si je pense que vous allez dire, non, le meilleur goal, c'est Neuer. Pour moi, franchement, 7, il est... Ouais, bon, d'accord. Le meilleur goal du moment, en tout cas, c'est Neuer. Mais franchement, 7, franchement, je sais pas. Il est trop fort. Il s'appelle Petr Čech, moi je l'appelle Maître Čech, voilà tout simplement, parce que c'est un maître ce gars. Donc voilà. Alors Willian, ouais, il est en MD sur ce FIFA. On va le mettre en MD un petit peu pour qu'il occupe bien son poste. Hop là, on va faire ça. Fabregas, j'en veux pas. Je veux pas de Fabregas, moi je vais mettre Ramirez. Matic. Ouais, on va le garder. Non, 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 on va pas le garder. On va le garder ou on va pas le garder? On va mettre le petit Kurt Zuma. Terry Kay, Ivanovic, Azpilicueta. Non, on va mettre Felipe Luis parce que j'ai bien envie de le tester. Et voilà. Parce que de toute façon, je vais mettre 6 plombes après à mettre tous mes joueurs. Voilà, on joue match. Je suis vraiment désolé. Hein, voilà, parce que ça fait. Voilà, ça. Je passe pas trop à l'action là, on va dire. Ah, ok, ça c'est un entraînement. Voilà, un nouvel entraînement. Mais de toute façon, je suppose qu'on aura plein hein, de nouveaux entraînements. Hop là, là, faut doser un petit peu les frappes. Voilà, tout simplement. Ok, bah c'est sympa. Bah on va passer. Voilà, pour pas trop perdre de temps non plus. Voilà, je pense que je vais faire un match, un dernier match. Et ensuite, on s'en terminera là pour cette première partie. Voilà, cette première démo. Voilà. Cette première démo. Non, parce qu'il n'y en aura pas plusieurs, hein, des démos. Non, non, mais je veux dire pour cette première partie, ouais, c'est ça que je voulais dire en fait à la base. Hop là. Oh là là, Willian. Où c'est joli ce qu'il m'a fait, Willian. Oh la frappe. Et c'est raté. C'est raté. C'est dommage. Ça aurait pu passer, mais non. Ça n'a pas voulu. Ok, c'est super. Super joli. Ah, franchement. Ah, je kiffe. Je kiffe à mort. Ah, mais non, là, j'ai raté par contre. J'ai raté mon coup. Alors j'espère qu'on va aller battre là nos amis parisiens avec David Luiz là, il est super bien fait David Luiz. Hein. Bah ils sont tous bien faits en même temps, hein, vous venez me dire. Mais voilà, mais ouais, en tout cas c'est super, ouais, c'est super bien fait quoi. Ça se voit qu'on est sur du next-gen et on voit même le changement. Alors peut-être pas vous, mais moi je vois, même si j'ai jamais joué à FIFA 14 de la Xbox One vraiment, j'ai juste testé la démo. Mais voilà, ça se voit qu'il y a eu quand même du gros changement. Voilà. Bon, après, on va pas se cacher qu'il n'y a pas non plus. Enfin, il y a quelques nouveautés, voilà. Mais c'est juste des petits détails, hein, pas des trucs énormes. Enfin, voilà. Même si c'est plutôt joli. Enfin, voilà, parce que j'ai vu qu'il y a des gens voilà, qui vont passer sur PES là. Parce qu'ils disent qu'ils se font entre guillemets. Enculé, voilà, je dis le terme qu'ils avaient dit. Enfin, voilà. Ouais, parce que c'est vrai que bon, il y a juste quelques petits détails. Voilà, bon, c'est rien de. Même si moi je trouve que c'est super joli, quoi. Franchement, c'est super joli. Après, bon, il y a des gens qui disent que bon, même si c'est joli et tout, c'est juste des petits détails qui font que bon, voilà, ça change. Mais bon, c'est pas, ça reste pas énorme. Bah, pour moi, je suis pas dans leur idée. Je suis pas de leur avis. Moi je trouve qu'ils ont fait quand même du grand boulot. Mais par contre, ouais, c'est vrai que sur FUT, j'ai vu les notes des joueurs, ils abusent quand même, hein, au niveau des notes des joueurs. Hop là. Oh, comment j'ai raté ça? Oh! Mais comment j'ai fait? Non, comment j'ai fait ça?
Ah, il a touché? Non, je pense. Ah ouais, il a touché, ok. Ok, il a touché. J'ai rien dit. Je me suis dit, putain, comment j'ai fait pour louper ça? Bim! Alors, par contre, je pense. Alors, à mon avis, les centre-têtes, ça passera moins. Voilà, les buts comme ça sera plus chaud. Par contre, les LBY, j'ai fait un petit peu le test là, mais je pense que ça va passer, hein, ça va passer crème. Hein. Enfin, en tout cas, là, on n'est que sur la démo, donc voilà, je dis ça aussi, voilà, ça veut rien dire. Là, c'est que la démo, donc après, peut-être que ça pourra changer. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Mais là, pour l'instant, j'ai vu que le LBY, ça passait crème, contrairement à ce qu'on m'a dit. On m'a dit que le LBY, ça allait pas passer cette année. Là, pour l'instant, j'ai vu que ça passait. Même si c'est que la démo, mais voilà, hein, je dis quand même ça comme ça. Allez, allez. Ouais, c'est super. En tout cas, ouais, c'est super bien fait, quoi. Hop là, alors on va changer de tireur. Alors, RT. J'essaie de m'habituer aussi, hein, excusez-moi. Alors. Putain, Kurt Zuma, il a 55 en puissance de frappe. Oh, c'est abusé. Ok, on va faire comme ça. Ouais, allez. Ah, il y a l'arbitre qui a détecté que le mur avançait. Boum! Ouais, bon, voilà. C'est un début parce que, ouais, voilà, là j'ai eu un petit peu mal. J'aurais pu tirer en force aussi, mais voilà, je me suis dit, bon, avec le mur et tout, là, parce que là, le mur, il était plutôt bien positionné. Donc je me suis dit, on va tenter l'enrouler, même si je l'ai pas réussi, voilà, tout simplement. Voilà, donc je pense qu'on fera ce match. Voilà, je vous fais ce match et après on s'en terminera là. Voilà, tout simplement. Je pense que ça sera plutôt bien comme ça. Et puis après, j'enchaînerai avec Ultimate Team. Alors, je sais pas si je ferai ça le même jour, hein. Voilà. Mais en tout cas, je découvrirai la démo d'Ultimate Team avec vous, quoi qu'il en soit. Donc, ça veut dire que si je fais pas la vidéo sur Ultimate Team, sur la démo d'Ultimate Team aujourd'hui. Bah en fait je découvrirai pas par moi tout seul en fait Ultimate Team quoi. Je veux vraiment découvrir ça avec vous, même si c'est que la démo, mais j'ai vraiment envie de découvrir ça avec vous. Donc si je découvre pas ça avec vous aujourd'hui, et bah le jeu c'est pas que j'y jouerai pas, mais je ferai juste des coups d'envoi comme ça pour le fun et puis voilà. Mais voilà, sinon je ferai pas d'Ultimate Team si je fais pas la vidéo, enfin voilà, je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, en tout cas, c'est super joli. Voilà, je vous dis déjà mon premier avis, on va dire, sur ce jeu. Voilà, c'est super bien fait, même si c'est que sur la démo et qu'il y a des choses qui peuvent encore vraiment s'améliorer, on va dire, dans le futur. Voilà. En tout cas, ouais, c'est clair que, ouais, ils ont fait clairement du boulot. Voilà. Franchement, moi, ça me plaît, en tout cas. J'espère que le concept 100% FIFA. Bah vous plaira en tout cas, hein, là je vais aborder un petit peu un autre sujet, voilà. En tout cas ouais c'est super bien fait, vous voyez le contrôle de balle hein, qui est vraiment différent que sur FIFA 14, hein, je pense que vous voyez bien là. Hein. Enfin voilà, vous avez vu depuis le début d'ailleurs, hein, c'est un peu con ce que je dis du coup. Mais voilà. Les goals qui seront vraiment, voilà ça va être vraiment dur qu'on mette des buts, voilà ce sera beaucoup plus dur de mettre des buts maintenant. Puis voilà, et d'ailleurs l'ordi qui va être plus chaud aussi. L'ordi ça va être plus. Bon, là j'ai pas trop vu la grosse difficulté de ouf non plus. Mais peut-être si ça se trouve. Merde. Si ça se trouve, j'ai dû mettre que en professionnel ou un truc comme ça. J'ai même pas dû mettre en international ou un truc comme ça. Donc voilà. Puis de toute façon, c'est que la démo. Donc, hein, de toute façon, autant se le dire. Voilà. C'est peut-être pas. La démo qui va faire que l'ordi, voilà, pour l'instant ils sont super énormes, tout ça, enfin voilà. Ah, il va mettre un carton, je le sens, même pas. Ok. Alors on voit un petit peu leur mécontentement. Alors pas avec l'action Ramirez et Zlatan, mais quand j'ai vu Sech un petit peu être mécontent, ouais, on le voit. On voit d'ailleurs, on avait vu aussi Zlatan hein, qui serre la main de Ramirez là. Oh putain, il a tiré en force. Ah, je m'y attendais pas celle-là. Je m'attendais pas. Ok, bah c'est super sympa, franchement. Je sais que je l'ai dit 150 fois. Là, ça fait vraiment, vous savez, un petit peu comme dans les films. Enfin, ouais, bon, c'est un peu con ce que je vais dire, un peu comme dans les films et tout. Donc voilà, moi je trouve c'est super bien fait. Aussi, une autre nouveauté, il y a le Goal Line Technology. C'est une nouvelle nouveauté, bah, voilà, comme sur la Coupe du Monde.
Voilà, ils ont repris ça à partir de la Coupe du Monde. Donc voilà, bah, au passage, tous les tirs que l'ordi a fait, je les ai cadrés, hein, voilà. Donc ça, c'est un bon signe. Voilà, j'aime bien dire ça à chaque fois. Bah donc voilà, tout simplement. Il y a le goal line technology. Donc en fait, ça fait que si par exemple il y a un poteau et que par exemple on ne sait pas si elle est vraiment rentrée ou pas, bah il y a le goal line technology qui s'active et puis il repasse l'action et pour voir en fait si le ballon est vraiment rentré ou pas, quoi. Voilà. Ok, en tout cas, ouais, c'est super bien fait, quoi. Waouh. Franchement, je trouve vraiment ça joli. Ouais. J'ai vraiment mal. Ok. Alors, ok, ah ouais, ok, ah oui, c'est vrai, parce que ça, je l'avais vu aussi, mais j'avais vu que dans les chaînes anglaises, pas dans les chaînes françaises. En fait, il y a offensif, comme vous avez vu, là, comme vous avez... Oh, putain, merde. Comme vous avez dû le voir, il y a eu équilibré, offensif, ultra-défensif, et il y a attaque de folie, alors, c'est attaque de folie que ça s'appelle. Attendez, hop là, on va faire la passe à Sech, en espérant qu'il la rattrape, ok. Alors, attaque de folie... Défense de malade. Ok, défense de malade. Alors tranquille, hein, ils ont pris leur nom comme ça. Hop là, ils se sont dit hop là, on va appeler ça attaque de folie. Et l'autre défense de malade. Ok, hein, ça le fait super bien quoi. Enfin voilà. Hop là, ils se sont dit hop là, tranquille. Hein, voilà. Ah non, j'ai raté mon coup. Ok, mais c'était juste pour voir ça en fait. Ok, parce qu'en fait, j'ai vu que des chaînes anglaises en fait avec ça, par rapport à ça. Et du coup, je savais pas comment ça s'appelait en français, mais c'est comme ça, ok, d'accord. Bon, bah, plutôt cool à savoir, on va dire. Hop là, comment je fais? Hop là, bim! Non, j'ai raté. Oh là là! Oh, elle était magnifique celle-là! Oh putain! Waouh! Magnifique! Alors, celle-là, elle est passée, mais voilà quoi. Putain, je sais pas c'est qui m'a mis ça, mais. Oh là 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 là, GG, GG, mon ami! Ça c'était joli. Comme là, ah c'est Oscar, bah, super Oscar, tu m'as mis un super but là. Comme là, il y aurait pu avoir le goal line technology à ce moment-là, mais bon là, on a bien vu aussi que le ballon est rentré. Mais je sais pas en fait si le goal line technology est disponible sur la démo. Je sais pas si elle est disponible sur la démo, mais en tout cas bon là, on a vu qu'elle est bien rentrée et tout, donc je suppose que voilà, c'est pour ça que ça n'a pas été activé. Mais je pense que si voilà. Il y a un petit doute et tout, bah voilà, je pense que voilà, ça s'active automatiquement. Mais je sais pas si ça s'active lors de la démo, voilà. Donc bon. Et en tout cas, j'ai mis un putain de but de la mort qui tue, quoi. Oh, il était joli, en tout cas. Il était joli celui-là. Pour un petit début, voilà, tranquille, voilà. C'est plutôt bien fait. Bon, c'était pas hyper construit non plus. Felipe Luis qui va mettre un but peut-être? Non. Ouais, bah, de toute façon, au pire, voilà, hein, j'ai tiré avec son mauvais pied, je pense. J'ai pas fait gaffe si j'ai tiré avec son mauvais pied, mais je crois que j'ai tiré avec son mauvais pied, hein, si j'ai bien vu, enfin voilà. Ok, par contre ça va mettre 150 ans, voilà, c'est bon. Alors par contre, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, comment dire, en fait les joueurs, quand ils vont tirer, ils mettront moins en avant leur mauvais pied en fait. Il y aura des fois... Où il y aura, disons, je contrôle, je sais pas, Robben, il me tire, putain, je contrôle Robben, il me fait un tir pied droit, enfin voilà, enfin sur FIFA 14, disons, il me fait un tir pied droit, enfin voilà, parce que je lui ordonne, il fait un tir pied droit, disons. Mais par contre, sur FIFA 15, ce sera pas vraiment la même chose, ce sera plus particulier. Je pense que, en fait, comment ça s'appelle, le joueur fera tout. Pour mettre en avant son bon pied, voilà. Il y aura des fois, je suppose aussi, où il mettra son mauvais pied aussi, hein, bien évidemment. Mais voilà, je pense que ça va plus du bon pied. Enfin voilà, je pense que vous m'avez compris. Hazard, waouh, presque le but avec Eden Hazard. Bon, j'ai un petit peu, bon, j'ai un petit peu raté parce que bon, j'aurais dû tirer peut-être un peu. Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Hein, la flemme de dire ce que je voulais dire. Enfin voilà. Ouais, en tout cas, c'est super bien fait. Enfin, ça, je l'ai dit 150 fois, hein, je pense. Mais voilà. En tout cas, ça, c'est la partie 1. Alors, pour vous dire, alors, je pense, je sais pas si je vais faire que deux parties ou trois. Parce que j'ai vraiment envie. Ouais, j'ai vraiment envie d'être actif et tout. De vous mettre des vidéos
tous les 5 jours à peu près, tout ça, parce que voilà, c'est du FIFA et tout. Voilà, parce que c'est vraiment mon jeu préféré. C'est le jeu que je préfère, bah voilà quoi, hein, vous m'avez compris. C'est pour ça en même temps que je fais du 100% FIFA, voilà, parce qu'en plus, il y a beaucoup de contenu à proposer. Donc voilà, tout simplement. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de vous faire ça. Franchement, moi, je prends un réel plaisir à vous faire cette vidéo. Allez, Oscar. Oscar, tu me remets un deuxième but là. Ah, dommage, Oscar. Dommage. T'aurais pu réussir ton coup. C'est dommage. Ouais, les tacles sont. Bah, les tacles sont pareils, hein. Il n'y a pas de différence par contre au niveau des tacles. Mais on sent quand même que. Voilà. C'est pas. Comment dire? Regardez. Disons, je tacle là. Alors là, c'était juste un exemple et je vais me faire prendre un but à cause de ça. Voilà, putain. J'aurais pas dû le faire montrer à ce moment-là, peut-être. Enfin, voilà. Hop là, petit geste technique. Hop là. Diego Costa. Hop là, fais la passe. Oscar. Oscar. Oscar, j'ai dit. Dommage. Dommage, Oscar. Bien joué quand même. Allez, je vais essayer peut-être de mettre un dernier but pour la fin, là, parce que c'est bientôt la 90e minute. Allez, hop là, toi je t'ai vu. Je sais pas s'il est hors jeu. Non, il est pas hors jeu. Hop là. Hop. J'ai pas envie de mettre de centre-tête. Allez, bon, allez. Alors, est-ce que c'est lui qui l'a touché ou c'est moi? J'espère que c'est pas moi. Ouais, non, c'est David Luiz. Non, c'est pas David Luiz. C'est Rémi Rest qui l'a fait. Ah, mais j'étais convaincu. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Victor Zuma, je sais pas. Alors voilà, moi j'ai vu Rémi Rest, mais voilà. Ah, je pense qu'il va siffler, hein. Non, même pas. Non, même pas. Ok. Parce que dans la démo de FIFA 14, ça siffle direct, hein. Carrément. Ramirez, en parlant de toi! Ah, putain. Non. Bah, là, par contre, ça va siffler. Là, il va siffler. Voilà. Bon, j'ai perdu 2, hein. Voilà, je suis désolé. Je me suis fait un peu laminer. Enfin, voilà, je sais pas, parce que j'étais en train de vous parler et tout. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère en tout cas, en montant mieux, je sais pas, je vais voir de toute façon au rendu. Je vais voir un petit peu tout ça. Mais j'espère qu'on m'entend mieux à partir du MacBook. En tout cas, franchement, c'était un vrai plaisir, un réel plaisir à vous faire cette vidéo. Voilà. Je la mettrai rapidement, la vidéo en ligne. Il est quelle heure? Il est 17h37, ouais, déjà. 17h37 à l'heure où je vous parle. Je vais essayer de la mettre dans même pas 10 minutes, voilà, parce que, comme je vous ai dit, je ferai des montages et tout, sauf sur cette vidéo, parce que voilà, comme je vous l'ai dit 150 fois, j'ai vraiment pas envie de, bah ouais, j'ai vraiment pas envie de la mettre trop tard et tout, et puis en plus, j'ai vraiment envie que, d'être l'un des premiers youtubeurs, pas le premier, parce que je pense pas que je serai premier youtubeur, voilà, mais en tout cas, l'un des premiers, voilà. J'espère que ça sera le cas. En tout cas, bah, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, bien évidemment, hein. Bah, pour l'instant, j'avais pas fait de vidéo et tout. J'avais 3 abonnés parce que j'avais dit sur cette fuite que comme quoi, voilà, j'allais faire une chaîne 100% FIFA. En tout cas, bah, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Agüero et je vous dis ciao tout le monde.